Rufus est le nouveau petit outil intelligence artificielle de qui ? Alors choisissez votre lettre. G, A, F, A, M, GAFAM, choisissez votre lettre, Rufus, c'est qui l'a fait ? À vous de jouer, Google ? Non, on va en parler tout à l'heure. C'est qui ? C'est Microsoft ? Non, Microsoft, ils ont ChatGPT, c'est genre. Alors c'est qui ? Un A peut-être ? A, comme Amazon, absolument. Rufus est annoncé par Amazon. Qu'est-ce que c'est, Rufus ? Une intelligence artificielle qui va vous aider à dépenser des caillasses, voilà, à dépenser de la thune. Non, à vous renseigner, bien sûr, c'est pas présenté comme ça, mais on sait bien que c'est un peu ça quand même. Le spécialiste, l'IA spécialisé dans tout ce qui est conseil à l'achat de produits et services, Rufus, lancé par Amazon, pour l'instant en phase de bêta-test. Il n'est pas chez nous, il n'est pas chez tout le monde, mais effectivement, Amazon, qui reste un petit peu discret au niveau de l'intelligence artificielle, alors que clairement, ils en ont sous le pied. Ils ont fait beaucoup d'investissements Amazon autour de l'IA. On se demande à quel moment ils vont sortir du bois pour nous envoyer du lourd. Ce sera peut-être Rufus, un assistant que vous allez trouver, certes, sur les boutiques Amazon et également dans d'autres choses, notamment des applis mobiles et tout ça. A priori, c'est comme ça que ça devrait se passer. C'est en test actuellement. Rufus, il va pouvoir nous répondre sur tout. Il a tout le catalogue Amazon. Il a toutes les descriptions de produits qui sont sur Amazon. Il a également tous vos avis à vous, bande de petits malinos qui avez laissé des avis sur des produits sur Amazon. Et tous les gens de cette planète qui ont laissé des avis sur Amazon. Rufus, il mange tout. Il a plein d'informations sur tout et du coup, il va pouvoir vous guider. Ou j'aimerais bien acheter une balançoire pour mes enfants. Est-ce que tu peux m'orienter ? Oui, bien sûr, mais ça dépend de l'âge de vos enfants. Ben, ils ont tel... Ça dépend de votre jardin. Alors dis-moi, quelle est la balançoire la mieux adaptée pour les jardins ? Et comment ça se fixe ? Eh ben, je vais tout expliquer. Rufus, il explique tout sur les produits. À la fin, il te dit, viens là, viens plus près. T'as ta carte bleue pas loin ? Viens acheter sur Amazon. Oui, parce que j'imagine que ça va être ça le but. En tout cas, l'intelligence artificielle qui s'annonce pour être le crack absolu, qui connaît tout sur les produits et qui va pouvoir vous conseiller sur tout, ça s'appelle Rufus et c'est Amazon qui dégaine et quelque part, c'est bien logique. Oui, société de consommation, tout ça, l'IA au service du fait qu'on va acheter des trucs. Non, mais c'est à nous de décider aussi. Peut-être on va utiliser l'IA pour se dire « j'ai peut-être pas besoin d'une balançoire si grande tout de suite ». Bon, et peut-être Rufus, il nous dira « bah oui, vois petit déjà, puis on verra comment ça se passe ». Bon, puis du coup, on en achètera deux des balançoires. On va se faire arnaquer. Non, mais non, ça dépend de nous, on se fera pas arnaquer. Rufus ne sera pas une IA d'arnaque, ce sera une IA pour vous accompagner dans vos achats.